Yo, il y a un petit malafique à spawn, on va essayer de le chocho. Le choper. C'est parti. Alors par contre, casse-toi, toi. Allez, hop, on s'envole. Envolons-nous vers d'autres cieux. A priori, Rafo était près de lui. Donc a priori, il est par là-bas. Parce qu'il était, il m'a dit qu'il était dans le marais. Et donc il a spawn près de là, apparemment. Dans le marais. Donc on va regarder un petit peu aux alentours si on le croise, le petit Manafi. Faire bien attention hein, de pas le louper. Donc il doit être plus par là-bas. Le marais est plus par là-bas. Donc normalement il devrait être... Ah, attendez, c'est pas ça? C'est lui, il est là. Ok, c'est parti. J'ai... Allez, c'est parti, chopons petit Manafi, là. Allons-y, allons-y. En fait, j'étais en train de farmer. Et puis voilà. Et ben, en fait, il y avait Rafo qui était derrière. Et je ne savais pas. Et du coup, il a spawn bah, dans l'océan. Donc, tentons tout de suite de le choper. Il est niveau 70, hein, plutôt fort. On va tenter le point ombre. Bien, ça lui fait pas trop de dégâts. Peut-être dynamo point. Ok, il m'a one shot. On va tenter directement les hyper balls. On n'aura pas master ball sur un Manafi. Je trouve ça un peu bête. Je sais pas, il a combien de pourcents Manafi de capture. Combien de pourcents? Je sais pas du tout, il a combien de pourcents Manafi. Alors, faudrait que je sorte un Pokémon, mais lequel pour pas le tuer? Normalement, lui, il a 10 levels de moins. Donc en soi, si je fais ça. Oh, ça lui a rien fait même. Bah ben voilà, on a capturé. Hop, voilà. C'est chopé. Bon bah ben, ça fait plaisir, un nouveau petit légendaire. Du coup, je vais continuer tranquillement. Je vais retourner à la base tranquillement. Puis on se retrouvera tout de suite pour la suite de l'épisode. A tout à l'heure. Yeah, bien bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode d'Ultra Pixelmon. On se retrouve dans la base. Et aujourd'hui, du coup, on va... faire des petits trucs sympas, comme vous avez vu, je vous ai mis, comme d'habitude, en introduction, une capture de légendaire. J'ai tout simplement capturé Manafi, voilà, il se promenait derrière, je crois, derrière ma maison. Enfin, j'en ai croisé plusieurs des Manafi, mais du coup, j'avais celui-là, j'ai trouvé celui-là. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire des bébés Fion, vu que Manafi, on peut tout simplement le reproduire pour avoir des Fion. Donc ça va être un objectif du jour. On va aussi faire un petit peu de... Du coup on va faire du renommage, hein, comme d'hab, on va renommer un petit peu les Pixelmon. Et puis je pense on va se balader tranquillement, histoire de voir qu'est-ce qu'on peut trouver en le temps que notre œuf de Fion est clos. D'ailleurs je pense on va faire une petite visite des bases. Tiens, je pense que ça peut être plutôt cool, on va visiter un petit peu toutes les bases. Il fait longtemps que je n'ai pas visité les bases de certaines personnes, du coup ça peut être plutôt sympa. Donc... on va tout de suite aller mettre notre petit Manafi avec un métamorphe. Alors du coup j'ai les métamorphes là, c'est pour une prochaine vidéo. Parce qu'il faut savoir que je règle du coup à l'avance. Je pars en vacances bientôt, donc j'essaye de règle un petit peu à l'avance les prochaines vidéos. Donc faudrait que je mette, alors j'ai l'impression que c'est un peu cassé ce truc. Voilà, il faut que je mette lui. Et faut que je mette ça dans mon PC. Ni Manafi tu vas dans le PC là. Peut-être pas au milieu du carré mais je vais te mettre tout, Manafi. Voilà, tu vas aller là, Manafi. Et je vais récupérer au massacre, histoire de faire de la place dans ce PC. Donc, on met le numéro 2, 3. C'est là. Non, il est pas là. Où est-ce que je l'ai mis? 4. Manafi, voilà. On a Manafi. Voilà, grandir rapidement de jour en jour. Ok, donc ça devrait aller vite. Et on va du coup tranquillement avoir notre petit œuf de Fion qu'on va pouvoir faire éclore en vidéo, ça va être sympa. Alors, niveau avancement aussi sur la base. Comme vous voyez, j'ai mis du coup cette usine à bois, pas très utile. Une petite usine à bouffe parce que j'ai clairement besoin de bouffe, hein, ça devient un petit peu compliqué. Au niveau de la bouffe, ici j'ai pas spécialement avancé, j'ai rien fait de plus depuis la dernière fois. Voilà, mais je crois que c'est tout en fait, que j'ai pas vraiment avancé au niveau de la base en soi. J'ai fait un avancement mais ce sera un truc que je vous montrerai dans un prochain épisode. Donc je vais essayer d'éviter de vous le spoiler. Mais du coup ouais, c'est tout ce que j'ai fait dans la base pour le moment.
étant donné que du coup, ouais, comme j'ai dit, hein, je prépare un petit peu à l'avance pour les vidéos. D'ailleurs, elles sont peut-être un tout petit peu plus courtes, mais je vais essayer de vous faire les trois vidéos pour que vous ayez une vidéo dimanche, mercredi et dimanche. Voilà, sachant que je pars bientôt, donc... histoire que vous ayez votre contenu ultra pixelman, parce que je vois que ça vous plaît beaucoup. Et du coup, voilà, j'ai envie de vous sortir les vidéos à l'heure, comme je fais d'habitude. Donc... au niveau de ça, c'est tout bon. Tiens, d'ailleurs, je pense que ce sera peut-être la prochaine vidéo ou celle d'après. On va avoir un petit concept plutôt cool en multi que j'ai envie d'essayer. C'est pas forcément... enfin, ça va être un épisode un petit peu sympathique, je pense, qui sera totalement déconnecté des autres. Et ça risque d'être plutôt sympa. On va faire ça et puis je verrai si ça vous plaît. Vous me direz si ça vous plaît comme concept. Et puis on verra. Je vais réfléchir à plusieurs petits concepts comme ça en multijoueur plutôt sympathique. Je pense que c'est un petit peu le but aussi d'Ultra Pixelmon et c'est ce qui rend le truc sympathique. Donc, je vais tout de suite récupérer les pseudos pour les Pokémon que vous m'avez proposé et on se retrouve tout de suite. Ok, donc on a beaucoup de Pokémon à renommer, on a aussi des nouveaux objectifs. Donc j'ai complété, on m'a proposé avoir toutes les chimères, on m'a proposé de prendre quelqu'un et on m'a proposé d'avoir Arceus et d'avoir mon pseudo en Zarbi. Enfin, pour le pseudo en Zarbi, on avait dit prends tout l'alphabet en Zarbi, mais je vais pas m'amuser à capturer 26 Zarbi différents. Donc à la limite, l'alphabet, mon pseudo en Zarbi, ça peut être drôle. Donc faudrait que j'arrive à choper Alex Du. Pas Alex du pied 2, mais juste Alex Du. Ça peut être sympa. Voilà, alors au passage, où est-ce qu'ils en sont? Ils ont des petits cœurs gris, ça avance, ça avance. Grandit rapidement, normalement, on devrait avoir des œufs relativement rapidement. Voilà, avant la fin de l'épisode, normalement, comme ça on pourra le faire éclore, et puis je ferai un accéléré. Du coup, voilà. Et pour les pseudos, j'ai beaucoup de pseudos, on va juste ranger ce truc. J'ai vu qu'il y a Golden qui s'est amusé, il a mis sa bonne à Golden. Aïe. Allez hop, j'ai fait une petite croix, hein. Je me suis dit, moi je suis abonné, voilà, donc j'ai mis la petite croix. Alors, donc, on va renommer tout de suite nos Pokémon. Alors, dans la boîte, là, on a Mew, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il nous faut Mew, il nous faut Love Disc, il nous faut Tortank, je l'ai sur moi, Zekrom, je l'ai sur moi, Viridium, où est-ce qu'il est Viridium? Et Viridium, t'es où? Wesh, Viridium. Ok. Donc, Mew, on m'a proposé de le renommer Fœtus. Hop. Love Disc, on m'a proposé Heartgold pour le jeu, là. Heartgold. J'ai peut-être des fautes d'orthographe, j'espère pas. Zekrom m'avait proposé Foudre. J'aimais bien le nom, mais il y avait Black Widow aussi. Du coup, on va prendre Black Widow. Hop. Blastoise, donc Tortank, on va le renommer Koopa, voilà, on va lui proposer Koopa, donc les Koopa comme dans Mario. Virizion, on m'a proposé Bambi, les petits Bambi de Fortnite, voilà, donc pour cela, et on a proposé deux autres, faut que je retrouve les Pokémon, alors il me faut lui, et il me faut lui. Hop là, on m'a proposé pour la Tiocelatias Tic et Tac, je trouvais ça plutôt drôle. Alors je sais plus c'est lequel des tics qui est rouge, enfin dans les Tic Tac. Est-ce qu'ils ont des noms les Tic Tac? Si oui, dites-moi le. Tic et Tac, oui mais Tic et Tac bien sûr. Parce que normalement je crois que les Tic Tac il y a le vert et puis le rouge. Donc est-ce que le rouge s'appelle Tic ou il s'appelle Tac? Dites-moi le en commentaire, je veux le savoir. Ok, bon bah voilà, du coup nos pseudos de Pokémon c'est fait. Donc n'hésitez pas, comme d'hab, à me proposer en commentaire des autres pseudos pour les autres Pokémon. On va juste reprendre Spiritomb, parce que du coup, je me suis rendu compte au final que Spiritomb était plutôt utile. Tout simplement pour la capture de Pokémon, notamment la capture de Pokémon légendaire, mais aussi pour la capture d'autres Pokémon plutôt cool. J'ai juste pas Fauchage. Donc Fauchage, faudrait que je le chope, et ça, je pense que je le choperai la prochaine fois. J'essaierai de choper un Pokémon plutôt cool avec vous. Pour avoir l'activité Fauchage. Sachant que je l'ai, mais il me faut juste le Pokémon qui peut l'avoir, qui peut la garder. Donc ça sera. Il faudrait que je l'apprenne. Et puis. Enfin, faudrait que je trouve le Pokémon que je veux. Et ça sera plutôt cool. Voilà. Donc, pour ça, tout est bon. Il nous faut du coup l'œuf de Manaphy. Ça pourrait être plutôt cool. C'est un petit peu long. On va attendre un petit peu. En attendant, je pense que je vais refaire une petite coupure et on se retrouvera quand j'aurai l'œuf. Du coup, à tout à l'heure. Ok, alors du coup, il a fait le petit œuf. Hop, on va le récupérer. On va pouvoir enlever tout de suite les deux là. Et je vais le ranger où il devait aller, c'est-à-dire ici.
Hein. Alors moi, il est dans la boîte 2 métamorphes. Voilà, on va le remettre dans la boîte là. Et du coup, on a le bon œuf. On va le récupérer, c'est celui-là normalement. Je pensais qu'il avait un skin particulier, mais apparemment non. Je suis un peu déçu. Donc c'est celui-là. Ah, oh, Latios. Latios. Non, pourquoi lui? Pourquoi lui? Il faut savoir que là, le temps que l'œuf est close, j'étais dans un message, j'attendais, je m'étais dit yes avec un peu de chance. Je vais la voir. Et il y a Pookie qui se quoi. Non! Des tristesses. Bon, bah tant pis. On va faire éclore le petit Fionn, du coup. On va prendre le PC. On va prendre. Qu'est-ce que je prends d'habitude? Il nous faut le magma. Où est-ce qu'il est le magma? Le magma. Je sais pas où il est. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Faut vraiment que je range ces boîtes, ça devient infernal. Je sais pas où je l'ai mis. Magmar. Ah le voilà, Magmar. Hop, on prend donc Magmar, on peut le mettre à la place de Spiritomb, je pense. Hop. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Je vais prendre le Meganium, parce que Meganium c'est bien, il est rapide, on peut courir dessus, c'est vachement pratique. Ah non, Virizion était plus rapide encore, je crois. Voilà. Du coup, on va tranquillement. Je pense que ça va aller dans la base de Gol, là. Comme ça, on pourra récupérer les cellules en même temps. Je commence à compléter hein, pour les cellules, du coup. Si on regarde, j'ai 10 cellules, donc 10% de Zygarde et 6 Meltan. Donc, en gros, il m'en faudrait. En gros, il me faut encore 44 Meltan et 90 Zygarde si je veux 100%. Mais je pense, ce que je vais faire. Attendez, il faut que j'aille du coup dans la base. Est-ce qu'il faut que j'aille? Ah, la maison de Grégory, normalement, c'est le spawn. Ah oui, pourquoi Pookie? What? Chelou. Pourquoi il a 0 mort? C'est trop bizarre. Regardez, Pookie, il a 0 mort. Alors qu'il était à une vingtaine. Moi, je sais pas, je regarderai après. Du coup, on a eu un trioxydre. Très intéressant. Pas du tout. on va tout de suite utiliser Bambi, histoire de courir un coup. Et essayer de faire éclore tranquillement nos œufs, du coup. Alors, par contre, faut qu'il sorte. Sort Bambi. Eh hey, Bambi viens moi. Cours Bambi. C'est bien Bambi parce qu'il court en plus là. Le nom pouvait pas être mieux. Ne pouvait pas être mieux choisi. Allez, on va se promener tranquillou. On va tranquillement se promener, histoire d'avoir Fionn. En vrai je pense qu'on peut tranquillement aller voir à la base d'Antar et tout. Je sais pas s'ils ont avancé eux. Ouais par contre y a pas de passage. Ah si on va passer par là. Yes. Hop. Alors là du coup je crois que c'est la base à Magic Nup. Ish. Ouais, c'est ça, c'est la base à Magic Nup ici. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de beau? Ils ont des fours qui rendent transparents, très bien. Ah, ils sont en train de faire de la reproduction, je pense que c'est la... Je sais pas de la reproduction de quoi. Je crois qu'ils essayaient d'avoir des Evoli, ok. Et là, c'est une base, je crois que c'est l'usine à Pokéball aussi. Ils ont fait une usine à Pokéball. Ah, une petite cellule de Zygarde. Yes. On peut pas la récupérer comme ça? Et si on la récupère? On a la petite cellule de Zygarde, alors c'est parti. Partons du coup vers la ville. La belle bourgade... La belle bourgade. Alors, du coup, sur Antar, ça a pas trop bougé. Ça, du coup, c'est le centre Pokémon que Spyard avait fait. Ici, il y a une petite arène qu'ils avaient faite. Ça, je sais toujours pas c'est quoi. Je crois que c'est censé être un phare. Je sais pas si c'est un phare ou quoi. Tour de combat. Ok, très bien. Aïe. Ok, bon, c'est pas une bonne idée de rentrer avec ce Pokémon. Ich. Ah, ils ont rajouté une voix, Virizion. Je sais pas si vous avez entendu. Ça fait Virizion. Ok, très bien. Bon, alors. C'est longtemps que j'ai pas trouvé de shiny. Ce serait cool de trouver un shiny. Y'a pas de shiny qui se promène? Ouais, j'ai shiny. Tiens, attendez. Qu'est-ce qu'ils vendent beau, lui? Ich. Ah, coup dur. Non. Voilà. Alors, tu vends quoi de beau? Tunnel, protection, piétisol, demi-tour, ultimaché, riposte, cauchemar, onde de choc. C'est pas foufou, hein. Je vais me faire insulter, on va me dire ouais t'as pas pris machin, c'est trop fort. Bon bah tant pis. Ok. Bon. On fait le petit tour des bases en même temps. Faut que l'œuf éclose là, c'est un peu long. C'est un poil long les éclosions 2. Ich. Aïe. Ok, fais mourir. Coup dur. Alors, on peut voir le nombre de. Enfin le nombre de pas qu'il faut. Il lui faut 4500, c'est pas si long que ça. Ouais voilà, en vrai c'est très rapide. En vrai ça va aller vite je pense. Je pense que ça va aller plutôt vite. Donc va falloir juste se promener et en vrai voilà. Surtout que là on doit être déjà à la moitié à peu près de l'éclosion. Ich. On va renvoyer lui. Oh il y a un boss.
Un boss Latias là. Bon tant pis, on s'en fout. On s'en fout de toi, boss Latias. On s'en fout. Bah, par contre, wesh. Wesh, et pourquoi ils font pas un trou ici? Faudrait faire une piste cyclable ou un truc. Faudrait que je fasse un vélo. Ça va être trop stylé de faire un vélo. Pouvoir me promener en vélo. Alors en vrai, ce bug, il faudrait qu'il fixe un jour. Enfin, en vrai, non, faudrait pas qu'il fixe. C'est tellement pratique. C'était quoi ça? C'était un Mystigri. Nul. Nul! Nul, nul, nul! Ok. Rondoudou, nul. Scarino. Faudrait que j'en chope un des Scarino, je pense. Je pense que ça peut être utile. Regardez l'ordem. Fais quoi si on le tape? On court! Je cours! Je me raccroche à la vie. C'est bon, il a pas vu. Il va crever de feu. Yes! Alors. Il est en intro! Yes, yes, yes! Attendez, bah c'est beaucoup de gens qui me demandent est-ce que ça il joue encore? Voilà, regardez. Vous pouvez admirer là-bas la belle base en dirt que ça il a faite. Voilà. Alors par contre, il joue pas. Je vous le dis en fait, il ne peut juste pas jouer, c'est tout. Parce que bah il fait ses études comme d'hab. Hein. Il est en stage et tout, du coup il est pas dispo. Mais il a fait une belle base en bouse. Voilà, il a joué 3 jours, il a fait une belle base en bouse. Vous pouvez admirer cette belle base en bouse. Yes, pour les dégâts. Regardez-moi cette belle base. Franchement, qu'est-ce qu'il y a dans ces beaux coffres? Il y a de la thune, très intéressant. Ich. Ok, intéressant. Est-ce qu'il y a de la TNT? Du diamant? Ok. Pas très intéressant ces coffres. Hein. C'est pas foufou hein, les coffres à Scythe. Ah, attendez, sur le côté, on voit que notre petit. Notre légendaire est en train d'éclore. Ich. Ça se trouve, je me suis planté et j'ai pas du tout pris l'œuf de qu'il fallait. Ce serait triste quand même. Aïe, je vais mourir. Hein. Vas-y. MDR, il est géant. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oh. Eh, mais ce Pokémon est beaucoup trop rapide. Yes, ancienne. Trop bien. Reviens. Regarde. Regarde. Et regarde leur dame. Moi, j'ai Fionn. Non, j'ai pas de fight. Non, j'ai pas de fight. Non, reviens, Fionn. Regardez, Fionn, il est trop beau. T'as vu mon Fionn? Il est trop mignon. Trop beau. Ouais, il est tout petit. Hein. Il est R6 IVS. IVS 6. Il est éclaté. Il a 0 d'IVS en HP et 0 en attaque. Je suis mort. Je suis mort. Il est éclaté au sol. Ok, bon. Bon, bon, bon. Vas-y, attends, je vais demander. Tu veux faire un combat, Lordum? Ça peut être drôle. Ah, on va lui demander s'il veut faire un petit duel là. Moi je suis chaud pour faire un petit duel. Fait toujours plaisir un petit duel. Ah, j'aime bien moi faire des petits duels. Ok, à faire un petit duel après. Au pire, si je ferai un petit duel après avec lui, je vous le récré puis je vous le mettrai en fin d'épisode. Comme ça, ce sera plutôt cool. Ce sera plutôt cool. Bon, je vais retourner à la base et puis on se retrouve tout de suite. Bon, finalement, Lordum n'est pas dispo. Du coup, on va faire un petit combat contre Kuwaru à la place. Kuwaru qui devait aussi participer du coup au tournoi 4v4. Donc on va faire un petit duel en 4v4 contre lui à la place de Lordum. On fera un duel contre Lordum un autre jour. Voilà, du coup c'est parti pour le duel. Ok, on se retrouve avec Kuwaru. Attendez, j'ai découvert un truc dans son Pokémon. Le son de Pokémon d'Espaillard. Attends, on n'a pas entendu, je recommence. Ils se sont fait chier à mettre la musique du son de Pokémon quoi. C'est tellement épique en vrai. Ah, c'est très bon en vrai. Je suis mort. Mort de rire. Faudrait que je fasse ça dans mon laboratoire. Non mais c'est génial. Ouais. Bon, t'es prêt? Bien sûr, bien sûr. J'entends encore un petit peu l'écho mais bon. Ah, alors. C'est n'est pas grave. Je te lance allez, Pokémon, bon, c'est parti. Règle du combat du coup. Nivelé. Ah, tu mets 50. 4 Pokémon, 50, nivelé, soigné. Pas de sac. Et pas de au cas où. Parce que le au cas où, c'est totalement pourri. C'est bon? Va proposer de soigner, oui. C'est bon, t'es prêt? Ok. Alors. Confirmé. Alors, qui va gagner? J'ai pas ma team strat. J'ai pas rebossé encore. Aïe aïe aïe. Ah, mais un petit écho, moi, tant pis. Ah, dommage, dommage. Demi-tour. est-ce que j'ai pas de séisme? Bah oui. Oh, oh, tu me l'as one shot! Ça change pas grand chose, hein. J'ai pas le séisme ou j'ai le séisme, ça change pas grand chose. Hein. Je connais pas ses faiblesses à lui. Lui? Bah déjà, tu m'endors. Oui, mais je connais pas tes faiblesses. Yes. Trop bien.
Et ouais. Bon, je vais pas te laisser quand même me taper quand même. Coup dur. Bon. Quand faut y aller. Brass Gadi. Oh, ça joue Uber. Oh, ça joue Uber. Je sais pas pourquoi Elios m'a dit exactement la même chose. Ah, parce que Brass Gadi, en fait, il a un turbo, il a une attaque. Quoi? Mais comment ça? Mais comment c'est possible? Oh, le unique, le flan bizarre, et qui utilise Rost, et qui t'a brûlé par ton talent, corps ardent. Oh, quel enfer. As-tu encore une chance de gagner contre mon truc? Non, tu n'as pas de chance. Oh, alors, t'en penses quoi de mon champion? Quel enfer! En fait, juste pour te dire pourquoi je suis plus rapide, j'avais vent arrière, plus je suis team mode timide. Donc je suis ultra rapide. Ah ouais. Ah ouais, mais toi tu joues. Mais tu me dis pas, et toi tu t'oses me dire que tu joues pas strat? Mais t'es sérieux? J'ai des IBS tout pourri! J'ai des IBS tout pourri! Mon truc, mon flambizard il a des IBS 57%, je voulais des 100% moi! Mais t'as vu ta team? Mec, tu me les as tous explosés! Mais pas, j'ai même pas utilisé mon Scarino Moxie. Mais... Il a le talent impudence en plus, lui. Mais ouais, mais oui, je connais rien au talent, moi. Moi, je joue sans les talents, en fait... moi. Je joue sans les talents et sans le EVS, mec. Ah, les EVS, je les ai pas. Là, pour te dire, j'avais pas des EVS, j'ai des EVS aléatoires. Je joue que les... Je joue que les IVS. Que les IVS, mais vraiment vite fait, en plus. Parce que ceux-là, ils sont... Le max, il doit être à 77 IVS. 70, moi je suis. Ah là je suis très peu moi en vrai, j'ai que des 40, 50. C'est pour ça que j'ai fait ma petite toit à bride là pour me faire des 100% hein, tout simplement et défoncer tout le monde. Je suis bien de. C'est désormais toi le plus fort du serveur, vu que tu as battu celui qui avait gagné pendant le tournoi. Tu seras sûrement ouais, toi le maître de la ligue Pokémon. C'est dommage. Je voulais participer au tournoi, c'est dommage, mais j'avais ouais, ouais, non, après c'est pas grave, c'était. J'aurais ramené la même team sur toi. Mais mec, tu nous aurais explosé. What? Ce que tu viens de mettre là, c'est violent. Hein, ce que tu viens de... Parce que. Bon, mais j'ai quand même une compo un peu pute. Enfin, genre, entre lui qui arrive, qui met les picots. Tu sais qu'il a casque brut. Plus du coup, quand tu le tapes en physique, bah du coup, tu prends ta roue. Il te met des. De base, je voulais mettre picot, mais j'avais pas picot. Du coup, j'ai pas pu lui mettre picot à lui. Sinon j'aurais mis Pico plus piège de rock, tu vois. J'ai lui. Ah oui, là sont oui. Merde. Lui qui a hypnose plus. Moi Spiriton. Lui qui a hypnose dévoré. Je trouve pas ouf. Je trouve pas ouf Spiriton. Bon, en vrai il défend pour mais. Endormir. Bah ouais, c'est ce que je me dis. Pour ce job moi j'aurais pris Gardevoir quand même qui a une meilleure attaque spéciale que lui. Ouais. Et qui est aussi plus rapide si en mode timide j'aurais pris Gardevoir qui est quand même largement meilleur. Lui qui est stylé parce qu'il a aucune faiblesse, hein. T'aurais utilisé séisme, ça faisait rien sur lui, il a lévitation. Ah c'est vrai, il a lévitation, mais moi j'avais lui en fait, il avait Draco Shock plus bah, de choix. Tu m'as fait ultra mal parce que lui normalement a zéro faiblesse. Parce qu'il est type électrique, du coup sa seule faiblesse c'est type sol. Il est uniquement type électrique, sa seule faiblesse c'est sol, mais du coup il a lévitation donc il est tranquille. J'avais totalement oublié qu'il avait lévitation personnellement, j'avais totalement zappé. Ouais et puis bah j'avais lui, puis lui qui est vachement cool en vrai. Mais du coup tu m'as fait. Moi j'avais lui. Mais Gascarino non? Moi j'avais T'es dans les Gascarino? Non j'avais Non j'avais Scarino normal, il est normal. Même pas méga évolué. T'avais aucune méga du coup? Aucune méga. Ah ouais. Je me suis dit ouais non, pas besoin de jouer méga, j'ai une bonne compo. Ça marchera pas de toute façon avec la méga. Ouais lourd. Bon, en plus c'est un bizarre, c'est le Pokémon préféré de Taku donc. GG. En plus il est énorme quoi, il est trop beau. Yep. Bon allez, bon, revanche à C4. Merci, ouais t'inquiète, on fera une revanche. Je suis dans mon arène ou dans la tienne, t'inquiète pas. Merci pour ce côté combat, en tout cas, ça fait plaisir. Bon, du coup, on se retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode. Bon, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à lâcher un maximum de j'aime. Et puis, du coup, comme je l'ai dit, je suis en vacances, donc je serai pas là pendant une bonne semaine. Donc, je ne pourrai pas. Enfin, c'est pour ça que l'épisode est un petit peu plus court. Et tous les épisodes prochains, les trois épisodes prochains, seront tournés un petit peu à l'avance. Désolé, je vous invite aussi à aller voir une nouvelle série que j'ai faite du coup sur Pokémon Moon Random en compagnie de Rafo. Voilà, ça peut vous intéresser, c'est du Pokémon tout simplement, mais c'est plutôt cool, ça fait toujours plaisir. Voilà, et du coup, bah nous on se dit à mercredi normalement pour le prochain épisode d'Ultra Pixelmon. Allez, ciao.